Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine. Alors on va tout de suite aller voir votre carte, votre idée générale. On est sur le maître des flèches. Voilà, le maître des flèches, c'est l'idée de se fixer des objectifs, d'atteindre ses intentions, d'atteindre ses rêves, de cibler, de mettre le focus sur quelque chose. Quelles sont vos intentions, les amis Gémeaux, cette semaine? Est-ce que vous avez envie de créer des choses sur l'avenir? Dans ce cas-là, c'est aujourd'hui que vous avez besoin de mettre des marques, de réfléchir sur vos intentions, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez construire à l'avenir, sur du long terme, sur du court terme, et puis de savoir aussi. Par exemple, j'ai envie de, je sais pas, je vous dis un exemple, j'ai envie de perdre du poids, par exemple. Oui, mais combien de kilos, en combien de temps, vous voyez? Donc, il faut vraiment être précis sur ce que l'on veut. Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif? Voilà, la question est posée, d'accord? Si vous voulez être riche, eh ben, c'est à partir de quand? De combien vous estimez être riche, par exemple, et puis est-ce que vous vous donnez une temporalité pour l'être? Voilà. Bon, je rigole un petit peu là-dessus, mais voilà, c'est un exemple comme un autre. Il faut en tout cas un peu de précision, d'intention et puis d'objectif, en fait, tout simplement, hein. Ok? Très bien. On va aller voir du côté du professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien écoutez, regardez, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une énergie de stabilité, d'équilibre, de sécurité. Le roi de Pentacle, c'est aussi le bon père de famille. Donc on est un peu dans cet esprit protecteur, peut-être transmission, de transmission de connaissances. Voyez un peu ce côté. J'ai peut-être une idée là de former quelqu'un, voyez. En tout cas, vous n'êtes pas inquiété de rien, il n'y a pas de stress, il y a, voilà, vous êtes sécurisé, vous êtes équilibré, vous êtes sur un quotidien qui n'y a pas de changement, voilà. C'est une stabilité, vraiment, hein, vous pouvez être, on pourrait dire, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, voyez? Donc, c'est de l'ancrage, hein, tout simplement. Hein. Ok, très bien. Du côté cœur, qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux, la liberté. Alors, l'amour, 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 ça fait peut-être planer, ça fait peut-être des oiseaux, des papillons, voyez? On a besoin peut-être de liberté, là, les amis, hein, dans l'amour. Peut-être que dans le couple, le partenaire étouffe un petit peu trop, vous manquez peut-être un peu de liberté, vous avez besoin d'être libre, c'est un peu votre valeur, votre priorité, voyez, et donc dans cette valeur de liberté, eh bien écoutez, on a peut-être juste besoin de rester célibataire si on l'est. Et peut-être d'avoir plus de liberté si on est en couple. D'accord? Donc, bon, pour d'autres, peut-être qu'au niveau des couples, vous avez besoin de plus de liberté, mais peut-être que vous vous l'octroyez, cette liberté. Quand j'ai cette carte de mettre des flèches, c'est, voilà, vous voulez peut-être plus de liberté dans le couple, mais finalement, quelles sont vos intentions dans ce couple? Voilà. Qu'est-ce que vous avez besoin de créer? Voyez, donc il est peut-être question là de se demander dans le couple, en tout cas dans l'amour, au sein de l'amour, de la famille aussi, hein, des amitiés, j'ai besoin de liberté et je me respecte. Donc il y a peut-être des personnes qui vont se séparer de leurs amis, de leur famille, voilà, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de faire un point sur moi, de me sentir libre, voyez, de prendre de la hauteur aussi, hein, sur ces oiseaux. On est sur l'idée de prendre de la hauteur pour avoir une vue globale des choses, voyez. Bon, ok.
Puis on va terminer cette guidance, les amis, sur un message pour vous. Les doutes détruisent les rêves. Le chemin qui mène à la réalisation de nos rêves est semé de doutes et de peurs qui bloquent souvent leur réalisation. Décidons de nous en libérer afin de mener l'existence à laquelle nous aspirons. Et voilà, tout a un sens. Quelle est votre intention exactement? Quels sont vos rêves, les amis? Voilà. On en parle cette semaine, les amis Gémeaux. Passez une très belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.